Fermez les yeux, exhalez lentement trois fois et imaginez qu'une caméra est dirigée vers votre cœur et va filmer tout ce qui s'est passé dans votre cœur pendant la dernière année. Toutes les émotions, tous les troubles, tous les sentiments. Et quand le film est entièrement fait, vous retirez le film de votre caméra, vous lancez le film très haut et très loin dans la stratosphère où il disparaît. Vous remettez votre caméra en place pour l'utiliser quand vous en aurez besoin. Exhalez une fois et ouvrez les yeux. Mais avec le film ont disparu toutes les difficultés de l'année d'avant. Les Pythies faisaient des rêves éveillés dans les temples grecs. Inspirées, elles pensaient par Apollon, ou par un autre dieu grec quelconque. Moi, je sais que c'est inspiré par l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je mets la personne en relation avec elle-même, avec la partie d'elle-même qu'elle ne sait pas trouver par elle-même, parce qu'elle a, comme on dit dans le judaïsme, les serrures qui ferment toutes les portes importantes. Et moi, je lui donne, j'ai un porte-clés qui contient toutes les clés. Je leur donne à choisir la clé qui convient à telle ou telle serrure qu'elle veut ouvrir. Alors, je vous donne un exercice qu'il faut faire quand on a été dans une situation très difficile ou très dangereuse, et qu'il faut retourner cette situation pour que ce qui a été mauvais devienne bon. Et que ce qui était nuisible devienne valable et utile. Exhalez lentement trois fois et imaginez que vous tournez votre tête autour de votre couche, sur vos épaules, jusqu'à ce que votre tête, qui tourne très lentement, soit tournée de 180 degrés, c'est-à-dire que le visage regarde au-dessus du dos, regarde par derrière. Et vous entendez alors votre voix vous dire ce qui est le meilleur pour vous maintenant. C'est votre propre voix qui vient du profond de vous, qui vous le dit et que vous devez suivre. Exhalez. Une fois, et revenez très lentement par le même chemin jusqu'à ce que votre visage fasse face et regarde en avant de votre corps. Exhalez une fois et ouvrez les yeux. Et n'oubliez pas ce que votre voix vous a dit, qui était valable pour vous. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Mais vous devez le savoir. Je pense que ce n'est pas indifférent que la tête parte à gauche ou à droite. La mienne est partie à gauche et je voulais savoir. Voilà. Non, c'est très important. Ta question est très importante. Quand tu es partie à gauche, elle est partie à gauche spontanément, elle a éliminé ce qui était dans le passé. La gauche, c'est le passé. Et elle a éliminé dans le passé, des moments qui ont été spécialement difficiles et vraisemblablement qui se rapportent à ta mère et peut-être à sa maladie. Parce que la gauche, c'est d'abord le passé, après c'est la mère. Un simple exercice comme ça vous amène dans la direction où vous avez la possibilité d'entendre
la voix qui vient du très fond de vous-même et qui vous dit où vous en êtes vraiment. Sans que votre pensée concrète et votre imagination se mêlent à ça. Donc, vous dites ce qui est le meilleur pour vous à ce moment-là. Il y a une question ? Non, pas vraiment. J'ai beaucoup aimé cet exercice. Je le trouvais... Je pouvais facilement imaginer comment ça peut aider. C'est pas que ça peut aider, ça retourne complètement une situation, aussi mauvaise soit-elle. En tournant ta tête pour regarder de l'autre côté, tu as retourné une situation. Tu as détourné ta pensée qui allait dans une direction et ton imagination qui faisait travailler ce qui allait se passer dans le futur. Tu l'as détournée de sa vision, de la vision qu'elle avait quand tu es arrivé, et tu l'as retournée dans une autre direction, à l'opposé de ce que tu sentais et pensais auparavant. Colette, je voudrais que vous expliquiez comment et pourquoi vous avez choisi cette position que vous nous demandez d'avoir quand on fait ces exercices. Par rapport à la position allongée habituelle de certains thérapeutes. La personne qui est en position allongée se sent dépendante de la personne qui est assise à côté d'elle. Je ne veux pas que l'élève qui travaille avec moi se sente dépendant de moi. J'enseigne d'abord la liberté et comment se servir de sa propre liberté. Donc, mettre l'élève en position allongée, c'est le mettre en position où il n'est pas libre. Donc, je refuse ça. Je mets l'élève face à face. Il est mon égal, chacun avec ses connaissances différentes, mais chacun apportant quelque chose à l'autre par sa présence et par ses connaissances. Les réactions de l'élève m'apportent quelque chose à moi, qui peut m'enrichir, qui peut m'apprendre quelque chose de nouveau. Comme les directives que je vais donner à l'élève peuvent lui apporter quelque chose de nouveau, qui vont lui apprendre quelque chose de valable. Donc c'est un échange. Et on est à la même hauteur quand on échange. Un n'est pas plus haut que l'autre. Est-ce que, de la même manière que Freud a beaucoup utilisé l'idée de l'inconscient, et ça a été le... Il a beaucoup utilisé L'idée de l'inconscient, c'est le fonctionnement. Le terme. Mais pour moi, il n'y a pas d'inconscient. Il y a des niveaux différents de conscience. Je peux vous amener plus ou moins haut, ou plus ou moins bas, suivant que je vais vous faire imaginer que vous descendez ou que vous montez. Et ça, De Soile l'a très bien compris, très bien expliqué dans tous ses livres. Est-ce que quelque chose qui serait un ordre de conscience plus profond ne ferait pas partie du rêve nocturne, alors même que le rêve éveillé pourrait atteindre des niveaux de conscience différents ? Non, on peut atteindre tous les niveaux de conscience avec le rêve éveillé. À partir du moment où j'ai pu vous mettre en état de relaxation complète, et ça se fait après que vous avez simplement exhalé 3 fois, nous pouvons plonger à l'intérieur de vous aussi profondément que les images du rêve de la nuit viennent. Donc vos réponses en images sont aussi profondes et aussi valables que celles d'un rêve de la nuit. Comment inventez-vous les rêves éveillés ? Suivant ce que je veux obtenir. D'après ce que vous m'avez dit, je choisis l'exercice qui va le mieux coïncider avec votre besoin actuel. Si je fais faire un exercice où l'élève monte, il va rencontrer ses émotions agréables.
Et si je le fais descendre, il va rencontrer ses émotions désagréables. Quand vous sautez par-dessus un abîme, il y a un sentiment de peur, et puis vous avez réussi à sauter, et vous avez la victoire. Parce que l'abîme, de voir l'abîme, ça vous fait redescendre. Mais dès que vous avez franchi l'obstacle, le sentiment désagréable disparaît et est remplacé par un autre sentiment. Alors maintenant, je vais vous donner un exercice pour nettoyer la peau en profondeur. Parce que la peau garde dans la mémoire de tout le passé, il faut la nettoyer de ce qui, dans le passé, vous a fait du mal. Alors, exhalez lentement 3 fois et imaginez que vous allez dans le jardin d'hiver de ma maison où vous savez qu'il y a des roses. Mais le jardinier vous arrête à l'entrée et vous dit non, on ne peut entrer dans le jardin d'hiver que si on est parfaitement désinfecté. Vous venez de dehors et je ne veux pas que vous ameniez des microbes sur mes plantes. Et il prend un râteau et un jet d'eau et il vous racle les vêtements et la peau avec le gros racloir qui est un râteau de jardin. Jusqu'à ce que votre peau soit tombée et qu'à la place, vous ayez fait peau neuve. Quand vous avez fait peau neuve, il vous dit, vous pouvez entrer et choisir la fleur que vous voudrez. Mais vos mains ont été raclées comme votre corps. Donc, vous devez faire très délicatement pour ne pas vous blesser en cueillant une rose. Vous cueillez une rose, vous l'avez bien méritée. Quand vous sortez du jardin, votre peau neuve est entièrement reconstituée et elle ne porte plus que les bons souvenirs du passé. Tous les mauvais souvenirs en ont été éliminés. Exhalez une fois et ouvrez les yeux. J'ai d'abord vu effectivement un grand râteau jardinier et puis je me suis dit non, ça va pas, ma peau elle va pas supporter ça. Donc ce râteau s'est transformé dans ces râteaux plus larges et avec des dents plus souples qui servent à ramasser l'herbe. Et là j'étais un peu embêtée parce que finalement ce changement de peau, finalement je savais plus si j'étais habillée ou nue pour rentrer dans cette serre. Là aussi, cueillir la rose. Tu étais complètement nue et sans peau. Oui, mais ça a été difficile pour moi. C'est comme ça. Ouais. Et au moment de cueillir la rose, j'ai eu besoin d'un instrument parce que je me suis dit que je ne pouvais pas cueillir la rose comme ça à main nue. Et donc, j'ai eu un sécateur dans les mains. Donc, tu as pris des précautions tout au long. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez eu peur quand le jardinier a pris son râteau pour racler votre peau? Oui, j'ai eu peur, mais je crois que j'ai vu dans mon imagination, même avant d'entrer le jardin, une rose blanche. Et j'ai vu aussi la signification, le symbolisme. Donc, la rose blanche était pour moi un symbole de quelque chose de très naïf, quelque chose de l'enfance, je crois. Et moi, pas comme Caroline, j'ai accepté que ça devait être pénible, le procès d'enlever la peau ancienne. Donc, j'imaginais quelque chose qui était très pénible, mais qu'il fallait faire. Vous avez arrêté l'expérience parce que vous avez commencé à penser.
Donc, ce n'est pas une expérience complète de vie que vous avez faite. Dès qu'on commence à penser, l'expérience s'arrête. Et c'est important de penser, mais seulement il aurait fallu penser après. On fait l'expérience vivante et on en a le résultat, et puis ensuite on pense. Alors pour moi, c'était un jardin réel. J'avais pas peur d'enlever ma peau, j'ai pas pensé à ça, non. Mais quand j'ai changé ma peau et je me voyais toute nue dans un. Toute blanche, la peau toute blanche et transparente. Et je me sentais très bien, comme tout, la cellulite, tout est parti. Je suis toute neuve. Tu es toute neuve. Voilà. Tu es renouvelée. Oui. Et j'ai choisi une petite, plus petite, une petite rose. Alors, tu l'as coupée? Oui, mais c'est la jaune. Avec un ciseau ou avec des doigts? Non. Non, les mains étaient très fragiles. Hein. Mais je ne sais pas comment, mais je l'ai coupé. Je n'ai pas vu un ciseau, mais c'était coupé de mais au moment où tu l'as prise, elle s'est coupée. Ouais. Bon. De changer de peau, ça t'a fait comprendre que tu n'es pas aussi grande que tu crois, et que bien que tu aies très bien réussi, ce n'est pas une réussite complète. Et ce n'est pas une réussite pour toujours. Il faut continuer à faire des efforts parce que tes mains sont toujours trop fragiles pour pouvoir elles-mêmes couper la tige de la rose. Et tu as besoin d'une longue tige parce que tu as besoin de te fustiger. Fustiger, c'est-à-dire te battre avec un bâton. Me battre. Ce qui était le moins bon est parti avec l'ancienne peau. Ce qui reste maintenant, qui est recouvert par la peau nouvelle, c'est le meilleur. Donc c'est ça qui doit se développer. Plus un exercice est court, plus vite il marche. Tout mon travail est basé sur l'embryologie. Je retourne au moment où vous étiez dans le ventre de votre mère et à ce qui s'est passé en vous au moment où l'embryon va devenir un fœtus. Mais l'embryon se développe extrêmement vite. C'est à chaque seconde qu'il y a un énorme changement. Et c'est ce que je fais avec vous. J'essaye de provoquer que l'énorme changement se fasse dans l'instant même. Who are you? Yosin. Who has sent you? And you don't recognize me because of the light. It's Yossi. Excuse me? Yossi. Yes. Now I can see. Oui, ici. That makes difficult for me. So what new with you? It's all okay. Things okay. I've done the new exercise and I feel very good with it. Can you want to get up and sit here? Yes. You cannot turn. Now I see. So, do you want to say to my friends who are therapists and are returning in Canada and in America what exercise I have given to you to return the actual situation? You tell them what is your situation and what we have done to return it. I have a relapse, you say, of a peanut Ewing cancer. That used to be in my left thigh, and at the moment is back. I got over the first stage, and now there is. It came back with the on the lungs, inside the lungs. I started with Colette, with a few exercises. The first one was. We want to see that three exercises, the growth. Has enormously diminished. From an orange, it becomes like a tangerine. This after three exercises. So close your eyes, breathe out slowly three times, and imagine
that's in your body all along, beginning to the genital organs and climbing up until your body and until your liver, is a snake that is eating your liver. Look at the color of the snake and remember that the snake is changing two times its skin and breathe out one time and imagine that you see the snake changing its skin. And at the moment he's changing his skin, his size is also changing. What was the color of the snake at first and what it has become now? It was black. It was black and now? Gray. Gray. Breathe out and see the snake that has changed of size and color, that is gray now, eating what stays of the grass. And in place, putting his L7-on at the place where was the grass before. And see your snake becoming more little and brighter. What is its actual size and color? Very, very small and almost white. So breathe out and imagine that by the esophagus, you throw out by the mouth the snake and it is disappearing far away, very far from you. And you are delivered from the wrong snake. But you have kept the healthy effect of its venom, that is now valuable for you, for now and forever. Breathe out one time and open your eyes. How do you feel? You see all the possible best, and I wait for you next week. Next week I'm in the hospital. And you're not here. Yes. So until what day are you here? Because after the snacks, I have to verify something soon. You leave what day? I'm from Sunday to Thursday. I'll be at the hospital. So you have to come Friday, even I don't receive on Friday. You are here Friday morning? Yes, yes. Friday morning I'll be here. So you come Friday morning when you arrive, yes, come okay. Directly here. Okay, thank you very much. Raquel, vous êtes une ancienne élève de Colette. Pouvez-vous nous donner une idée de votre travail? Et ça fait 2 ans. J'ai eu une jeune femme qui était boulimique. Et elle était très, très maigre parce que, en plus de sa boulimie, il y avait en bas de ça, c'était une anorexie. Elle était après des drogues très, très fortes. Elle avait eu des tripes, comment ça s'appelle, des drogues. Elle était très dépressionnée. Elle avait essayé tous les spécialistes en anorexie et tous les psychiatres. Ses parents l'ont pris partout et ils ne savaient pas quoi faire parce qu'elle était complètement excitée. Tout le monde qui essayait de l'aider, elle attaquait. C'était une attaque. Et le premier exercice que je lui ai fait faire, c'est boire du jus de carotte. C'est ce que je lui ai fait faire. Et ça lui a fait du bien, pour
boire du jus de carotte mentalement. Mentalement. Et pourquoi? Parce qu'elle était complètement dans l'obscurité. Et l'orange, c'est une couleur de vie. Et les carottes, ça grossit pas. Alors, c'est ce que je voulais faire. Pourquoi c'était le jus de carotte mental et non pas le jus de carotte réel qu'il lui fallait? Le jus de carotte réel, c'est peut-être quelque chose de très bon pour elle. Mais elle veut vomir tout ce qu'elle mange. Mais le jus de carotte mental, c'est assimiler, digérer un peu de vie dans elle-même. Digérer mentalement et dans ses émotions. Quelque chose qu'elle ne voyait pas du tout, qui pouvait exister. Avez-vous un autre exemple important pour vous, frappant, d'un élève ou d'un patient, de quelqu'un qui est venu vous voir? J'ai pas mal d'exemples. Il y avait une femme qui est venue me voir, qui avait vers la quarantaine. Elle avait sa période qui était plus courte, c'est ce qu'elle a dit. C'est la raison pour laquelle elle est venue. Alors elle sentait que ça avait quelque chose à voir avec sa fémininité. Elle voulait traiter ça. Alors je lui dis, je ne sais pas si je peux t'aider à ça, parce que c'est l'âge où ça change un peu. Mais elle a dit, non, ça a à voir avec ça. Alors, on a commencé à travailler. Et tout d'un coup, dans un exercice, je lui dis de se voir comme deux mains, comme les mains, l'exercice de symptômes. Elle se voit comme la main droite ou comme la main gauche. Alors, dans la main droite, elle s'est vue comme s'il était une femme qui peut tout faire, et la, toute la lumière, elle peut tout faire dans la vie. Et dans la main gauche, elle se voit comme une petite fille qui attend mourir. Elle est tout tordue et elle attend mourir. Elle ne veut que mourir. Alors je lui dis, ben, peut-être que la femme qui a la main droite va toucher la petite fille, va donner quelque chose à la petite fille et ça va aider. Et elle a dit, non, ça aide pas. Je lui dis, essaye pendant une semaine, tu vas voir, tu fais 10 secondes par jour, tu essayes. Elle a essayé, ça n'a pas marché. Elle est revenue la semaine après, elle a dit, c'était terrible, il n'y a rien à faire, cette petite fille veut mourir. Alors je lui dis, écoute, on va faire quelque chose, parce qu'elle aimait la danse, c'était une professeure de danse, et de danse moderne. Je lui dis, on va vous donner à la petite fille de danser, de faire du ballet classique, parce que toi tu as fait le ballet classique, elle va faire le ballet classique. On lui a mis de la musique et tout d'un coup, la petite fille a commencé à danser. Et elle était un peu plus contente pendant ce temps-là. Alors, pendant 3 mois, on a traité la petite fille. Et elle était toujours, elle avait toujours mal à la gorge. Et c'était parce que c'était quelque chose qui venait d'une personne qui a été abusée sexuellement pendant 7 ans avec son père et qui n'était pas... le père, son vrai père, son père naturel. Pendant 7 ans, elle était abusée sexuellement tous les soirs, de 7 à 14 ans. Et ça, c'est découvert par ce petit exercice. Et la petite fille, elle a dansé. Et un jour, après 3 mois, elles ont dansé les deux ensemble. Et tout d'un coup, elle m'a dit, waouh, la petite fille est disparue dans moi. Elle n'est plus petite. Je me sens plus seule. C'est ce que je cherchais dans toute ma vie. Et c'est depuis ce moment qu'elle ne savait pas comment me dire merci, parce que c'était vraiment ce qu'elle a vraiment cherché. Elle a été unie. C'est une partie qui était détachée pour longtemps, parce qu'elle a été abusée sexuellement. Et elle a été réunie dans cet exercice qu'elle avait fait pendant 3 mois. C'est que 3 mois. To be your friend for all those years was something even different than being a student. It was, it took a long time for me to be ready to be a student of yours, to ask. You're the only woman teacher that I've ever had. Because your attitude in front of the women was always not to be dependent of a woman. Now, Colette. And
you have made progresses, knowing that you may learn from women as much as they may learn from you. Un petit peu. But I want to know if this is the time, if you're not too tired. The main issue with me, and we're talking about women, is how to approach from my inside, from my inner truth, without a wall of judgment or protection. And you said for me to do that, you would have to have a big stick and I would have to suffer. And I said, you have not brought the stick. I have it. You have it here? A real stick? But sure. I thought you meant an imaginary stick. Oh, not at all. I mean that you have to bring a big stick. How big? How high? 1 meter. Ah, 1 meter stick. Okay. I have one here. Yes? Yes. That is a true stick. It is not higher than your shoulder. Can I use that? Can I use it? No, not mine. Not yours. It is given by someone else. Uh-huh. And it belongs to someone else. Uh-huh. Okay. Who needs to be beaten from time to time. So when he needs, he comes. He's coming. I don't know if it is his wife who is sending him. I suppose that she is for very much in that. But you arrive and say, I need the stick today. Mm-hmm. All right, next time, Monday. Next Monday, I come with the stick. But I have found out something that maybe we can talk about. No, with a stick, I have to beat you on the seventh vertebra. So when if I give a shock there, as the old masters were doing, it puts in movement and in exact connection the three parts of yourself, the hearing, the seeing, and the sensitivity. And can that overcome my whole past history of defensiveness and protecting myself with women? Protecting yourself has to be your life, because you are 73. And 74. 74, and you have taken a lot of bad habits, so they cannot change now. What only is possible is to change the bad habits in habits that are less bad for you and for the other, for the women who are in connection with you. But if I practice, But you have said me since 2 years that you want, but you have not practiced. I just came to the realization when you told me that I need a stick. If you're willing to beat me with a stick, then I'm willing to practice. That's easier than getting beaten. No. It's getting more direct. Being beaten is the most easy way. It is a way that the teacher were using formerly at school with the children. So I see you next week with a stick. A big stick. Je voudrais te demander si ta croyance ou la croyance de tes élèves est une chose importante pour comprendre ton travail et ta façon de créer les exercices. Je n'ai pas à leur imposer ce que moi je crois. Moi je crois ce que j'ai expérimenté. Et chacun d'eux croit aussi ce qu'il a expérimenté. Ce qui est important, c'est qu'ils recherchent la vérité. Quel que soit le chemin qu'ils prennent pour atteindre la vérité, ça me convient. Je n'utilise la religion que
que chez les gens extrêmement religieux, parce que c'est leur langage. Et je me sers du langage de chacun. J'utilise le langage de chacun. J'essaie de parler son propre langage. Parce que je disparais au moment où je m'occupe de quelqu'un. Je n'existe plus. C'est l'autre seulement qui existe et qui est. Tu m'as demandé mon avis au sujet des dernières volontés de ta maman, qui n'était pas religieuse et a voulu être incinérée, qui a désiré que ses cendres soient jetées dans le Saint-Laurent. Et tu avais une question de conscience à l'idée que ton frère, qui habite en France, se sentirait frustré. Et tu aurais voulu l'éviter. Alors nous allons essayer de faire pour le mieux, toi et moi, et pour que ça soit valable aussi pour ton frère. Ferme les yeux, exhale lentement trois fois, et imagine que tu portes en main le vase qui contient les cendres de ta mère. Tu es au bord du Saint-Laurent, à un endroit que ta maman a aimé. Et tu verses les cendres au même endroit. Tu les laisses descendre lentement. Et tu vois que les baleines qui sont dans l'embouchure du Saint-Laurent arrivent et se mettent toutes autour des cendres, qui sont entourées d'un cercle de baleines qui empêche les flots d'arriver trop violemment et de les disperser. Et tu vois, tu peux voir clairement qu'elles tombent toutes au même endroit, un endroit où elles sont protégées. Et tu souris en regardant les baleines, et elles comprennent ton sourire. Elles se rapprochent les unes des autres, donc le cercle des baleines est relativement étroit et protège parfaitement le courant à cet endroit-là des eaux trop fortes qui arrivent d'en haut. Tu jettes le vase au même endroit, il s'enfonce lentement dans le sol. Et tu dis merci pour avoir eu le courage de le faire. Et tu vas faire de ton mieux pour que l'image de toi qui restait dans les derniers regards de ta mère, puisque tu as assisté à sa fin et que tu es celui qui a reçu son dernier souffle, reste en toi pour toujours. Et que tu seras dans chacun de tes souffles est aussi le dernier souffle de ta mère. Exhale lentement une fois et ouvre les yeux. Et avec les yeux, vois ton frère et toi, la main dans la main, chacun de vous acceptant les derniers souhaits de sa mère sans aucun reproche et heureux d'avoir accompli ce qui pouvait l'être. Tu exhales et tu penses maintenant au film que tu vas faire et à la vieille dame qui est en face de toi et qui a essayé de te comprendre avec tout son cœur. Parce que pour un moment, j'ai été toi.